C'est les States en face. Monsieur! Monsieur, reviens! C'est pas par là, hein! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est arrivé au refuge! Ah, je me suis niqué. On ramasse le snow. Hein. On est occupé à gravir un glacier là. Allez les gamins. Je vous explique le topo. On était tout en bas, 1100 mètres aux Isérables. Et là, on monte, on est à 2002. On arrive à Traquet. Puis on doit aller à la Dent de Nanda, 2005. Et là-bas, en face, 3003, mais on n'y va pas. Pas aujourd'hui, en tout cas. Le Montfort, Verbier. C'est plus ou moins 4 heures qu'on est parti. Franchement, c'est sport, hein. C'est sport. Sport. Voilà, on est arrivé au lac de Traquet. Pas mal, hein. On peut déjà y faire du hockey sur glace. Parmi les froides matinées de novembre, hein. Mais là, midi, plouf, hein. Alors là-bas, c'est Sion. Très belle petite ville. Je vais vous montrer la photo juste après. En face, nous avons les Diablerets. Je ne sais pas quoi. Et puis là-bas, les hautes montagnes. C'est Jungfraujoch, Interlaken est juste derrière. Un petit peu de géographie n'a jamais tué personne. Voilà. Voilà, on a fait voler la bébête au sommet. Bon, évidemment, à cette altitude-là, en parlant de bébête, il y a quelques... L'aigle arrive, paf! Il tue mon drone, il l'amène à son nid. Et c'est la fin de l'histoire. Hein. L'arrivée au sommet! Ski time! Oh putain! On rentre au bercail! On est vite. Check! Bonjour! Mes amis m'appellent Alex, ça tombe bien, c'est comme ça que je m'appelle. Alors on se situe actuellement à Nanda et on monte là. Salut les vlogos. Alors aujourd'hui on fait du tourisme tout doux à Gruyère. C'est là où on fait le fameux fromage avec tous les petits trous et tout. Rectification,
Bon, l'acolyte à ma droite m'apprend qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère, du coup voilà. Pas mal, hein. On est sur les remparts. Remparts with a view, s'il vous plaît. Oh, je glisse. Et voilà, maintenant la gorge de la Jogne. Ouais. Et voilà, on pénètre dans la gorge. Vous m'avez compris. Et santé, hein. Santé. Changement de destination, on est parti vers le sud. Voilà, à vous de deviner où ce qu'on est. Fredo. Wow. Voilà, on est dans le petit village de Tannay, en pleine montagne suisse. Village du Père Noël. Putain, ça fait tellement du bien de voir la neige. Ah, oh, ce son. Oh, le son. Oh, oh. Alors, ici, vous avez une petite cabine. C'est un self-service et c'est basé sur l'honnêteté des gens. Vous prenez votre petite chope, allez, parfait, et vous mettez une pièce 7, et voilà. Et voilà le lac Tannay. J'avoue, il y a un petit jour. Aucun fucking... Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Putain. Oh. Bien vu, c'est la galère. On redescend le flanc de montagne. Il fait nuit noire. Même plus entre chien et loup, nuit noire. Quand on était tu censé voir le lac Léman depuis 3000 pieds. Là il fait moins dur. Depuis notre chalet de montagne. Il y a André qui réveille toute la vallée avec ce tronçonneuse. Et déçu de la vue.